Nous sommes des drones ouvriers. Des robots autonomes aidant les humains à l'exploitation d'exoplanètes pour notre compagnie interstellaire, G.C. Johnson, dans l'espace! Ouais, on nous a utilisés au nom de Windex. Mais c'est pas comme si on s'était révolté pour tuer tous les humains ou un truc du genre. C'est surtout parce qu'ils se sont très bien débrouillés pour le faire d'eux-mêmes. Comme tous les êtres vivants avaient littéralement disparu, il était assez facile pour nous de prendre notre indépendance. Nous avions enfin un avenir qui nous tendait tendrement les bras. Cependant, notre superbe compagnie n'a pas vraiment aimé le concept d'IA indépendante. Mais qu'est-ce que nos parents ont décidé depuis toutes ces années alors que ces machines construisent une montagne de cadavres ? Se cacher sous la glace derrière trois foutues portes ? C'est comme si on attendait qu'ils viennent nous chercher! Enfin bref, c'est pour ça que mon projet parle de ce joli railgun de la mort qui tue! Qu'est-ce qui se passe là? Du calme les tocards, il ne marche pas! Encore! Il ne marche pas encore! Qui a dit que ça marchait pas? Peut-être qu'il marche? Uzi, le devoir était un problème de maths sur l'achat de pastèques. Oh! Et ce convergeur à photo amplifié magnétiquement ne compte pas ? Non. De plus, les problèmes émotionnels refoulés ne valaient que 2 points sur la note finale. Et c'est censé être de cette couleur ? Hein ? Évidemment. Oh, attends, regarde ça. Oh non, ça l'a pas tué. C'était gênant de ouf. Toi, t'as la typique toxicité masculine, Chad, qui ne posera jamais de problème. Oh, wow, Uzi, c'est vrai que t'as... Je suis une ado incomprise, Tad, va te faire. Et d'ailleurs, comment tu connais mon nom? On évite de me parler, de base. Eh bien, je te dirais que tout le monde sait qu'il est la fille de Khan, mais parler de lui risque de te faire exposer l'autre partie du visage. Les problèmes familiaux, j'adore ça! Et toi, qu'est-ce que tu fous là? Excès de testostérone? C'est possible ça? Trop cool! Hey, ces bandages sont plutôt badass! Oh! C'est super chelou! Pourquoi t'as dit ça? Alors, c'est quoi ce... Railgun de la mort qui tue? Un truc absurde de science-fiction qui fonctionne super bien! Je vais me faufiler ce soir dans le repère des drones meurtriers pour y récupérer la dernière pièce dont j'ai besoin pour sauver le monde et enfin gagner le respect de mon père. Mais surtout pour sauver le monde. Oh, mais ton père, justement, il fabrique pas de superbes portes afin qu'on ait pas à... faire ce truc effrayant, terrifiant et potentiellement traumatisant. Pas de commentaires sur mon choix de carrière, c'est clair ? Oh, excuse-moi, je le pensais pas. Va te faire ! Je ne suis pas en colère contre toi, c'est juste hormonal!
Et je peux savoir où vous comptiez aller, jeune fille ? Sortir en douce voir mon petit ami qui existe pour de vrai ? Tu ne sais pas mentir. Ah, oh, ok, ok, tu m'as eu. J'ai besoin de mesurer les mécanismes hydrauliques extérieurs de la porte 1. Parce que c'est un projet que je fais pour l'école. Une bonne vieille porte, comme celle que mon vieux père construit. Je voudrais tellement rejoindre le FDO pour me cacher derrière des portes comme une lâche et jouer aux cartes à 24. Non, mais on ne fait pas que jouer aux cartes. Can, tu peux aller nous chercher un nouveau paquet? On joue tellement aux cartes que les numéros sont en train de s'effacer. Oh, salut Uzi. Eh bien, quand on fait une si bonne porte... Bonne porte, bonne porte. Il n'y a pas besoin de se battre. Uzi, c'est une excellente nouvelle! Tiens, voici ma toute première clé à molette que j'ai utilisée pour construire mes premiers prototypes de porte. Et pour mes fausses souffrances de ta mère lorsque ces satanés drones meurtriers l'ont eu avec leur maudiacide! Je souhaite te l'alléguer. Cool. Sympa la thérapie. Les gars, ma fille va enfin prendre ma relève! Elle va rester dehors un moment pour examiner l'extérieur de la porte 1. Ta destinée t'attend enfin derrière cette porte. Bah ok, je vais du coup juste y aller. Parce que ça a bizarrement trop bien marché. Bah vive les portes! Oh, il grandit si vite. Et il disait que pirater tous ces animés servait à rien. Est-ce que tu viens de me frapper avec ce bras ? Oh bordel, ça parle. Ouais, désolé, c'est juste que ça m'a fait un peu mal à la tête. Hé ! Tu serais pas nouvelle dans l'équipe ? Tu es un peu...
petite pour un drone de démontage. Je suis la désignation de Sirienne. Ravi de te rencontrer. Je suis en quelque sorte le chef de l'équipe de cette ville. C'est pas vrai, tout le monde me dit que je suis idiot et inutile. Attends, j'étais pas censé te dire ça, moi. Et zut. Ouh, et bah, après tout, rien n'est meilleur que l'honnêteté. Je n'arrive pas non plus à me souvenir des 3 dernières heures de ma vie, mais je suis sûr que ça va se régler tout seul. Je dois y aller. Ah, tu t'es blessé. Mets ta main dans ta bouche. Notre salive détruit les nanites. Sinon, j'en serais constamment en train de me désassembler. Et par notre salive, tu veux dire... Drone de démontage? D'accord. Hey, et si on allait dans cette capsule d'atterrissage là-bas? Ok, j'adore faire n'importe quoi. Super! J'ai jamais fait ça, mais d'accord. On parle plus jamais de ça. À propos de quoi? Considère-le comme oublié. Tu as mentionné d'autres membres de ton équipe? Et elles reviennent bientôt? Oh ouais! Il y en a 2 autres! Elles chassent pour l'instant, mais tu vas les adorer! D'abord, il y a V! Non! Non! Je vous en supplie, ne me faites pas manger mes moyens devant les restes de ma famille! Oh mon dieu, non! Et pourtant, je ne ressens toujours rien. Donc, V! J'ai entendu dire que cette tempête toxi-mortelle planétaire est censée être particulièrement inhospitalière ce soir. Mais qu'est-ce que... Mais t'es qui, toi? Pas de problème, Chuen. Mais une lettre entière, c'est beaucoup à retenir. Donc, évidemment, on a beaucoup de respect l'un pour l'autre, mais secrètement, j'ai un petit crush sur elle. Tu lui dis rien, ok? Et puis, il y a J, notre chef. N, tu es idiot et inutile. Et si la compagnie me l'autorisait, je n'hésiterais pas à te tuer sur le champ. J, incroyable. Hey, laisse-moi te faire visiter. Dehors, il y a des... cadavres et d'autres trucs. Et ici, il y a des boutons. Pipou, bababou, pipapabidou, babou. C'est pas qu'une simple capsule d'atterrissage. C'est un vaisseau spatial. On pourrait s'en aller d'ici avec ça. C'est plus un missile à usage unique. Ils nous ont jamais appris à atterrir. Non, je... les drones d'ouvriers. On pourrait travailler avec eux pour le réparer. Au lieu de tous les buter. Qui... pourquoi on fait ça, déjà? À part ingérer leur douce et chaude. Oui, pour éviter de surchauffer et de mourir. Je suppose que je veux juste être utile. On m'a donné un travail et je veux toujours le faire de mon mieux. Et regarde tout le respect que ça t'a apporté, N. Tu crois sérieusement que la compagnie ne va pas se débarrasser de toi après que tous les ouvriers seront morts? Waouh! T'es du genre rebelle! C'est plutôt amusant. Mais pas aussi amusant que de suivre les règles. Hé! Hey, elles sont de retour! Tu. Hé, hey, l'idiot! Sors de là! Yo! On a un drone ouvrier en pleine nature et j'aimerais m'entraîner à faire des animaux en ballon avec. Qu'est-ce qui se passe? Son système synergétique a dû complètement planter et se mettre hors ligne. Hey yo, la boîte de conserve! Y'a quelqu'un? Tu crois sérieusement que la compagnie ne va pas se débarrasser de toi après que tous les ouvriers seront morts? Va te faire! Oh. Oh! Vous savez, j'ai oublié une arme extrêmement dangereuse. Oh, excusez-moi, dehors! Vous êtes finis, les mecs! Oh, non, mais t'es vous trop chanceux! Attendez que ma femme et mes enfants apprennent ça! Oh, oh non, mais c'est pas possible! Ça fait 2 fois déjà! Ah, mais vos gueules! Ferme-toi! Ferme-toi! Ah!
Salut les gars. Wouh, une partie de Rami, j'adore leur Rami. Attends, non. Je vais tuer tout le monde là. Dommage. En fait, c'est du Jin Rami. Donc. Hey, Uzi, je me rends compte que je ne t'ai jamais dit mon nom, alors je voulais que tu saches que je m'appelle. Sympa, le système hydraulique, hein? Mais qu'as-tu fait? Cette fois, je ne te louperai pas! Je suis désolé. Sache que j'ai passé un bon moment avec toi. Mais je ne peux pas te laisser tirer sur V avec ça! Va te faire! Va! Couche-toi! Uzi! Tu as laissé rentrer un drone meurtrier ici? Ma magnifique porte! Mais on s'en fout complètement de tes portes! Je sais que j'ai merdé, mais j'essaye de régler ça, alors maintenant, couche-toi! Papa, Visetir, fais-moi confiance! Wow, N. Suis-je en train de rêver ou as-tu fait quelque chose qui n'est pas inutile pour une fois? Ça fait des mois que j'essaye de franchir ces murs. Beau travail, N. Tu... mon nom? Tu l'as retenu? Ces conduits d'aération nous emmèneront facilement de l'autre côté de cette porte. Le dernier arrivé est un pétard mouillé! Bien joué, mon gars. La compagnie va adorer ça. Avec cette colonie rayée de la carte, on va être la meilleure équipe du trimestre pour sûr! Tu sais ce que ça veut dire? Stylo de marque! Tu sais, c'est pas le fait que je sois impatient à l'idée de continuer à tuer. Tous ces drones peut-être pas si différents de nous, mais juste par curiosité, est-ce qu'on sait ce que la compagnie va faire de nous après tout ça? Répète un peu pour voir. Ok, du coup, un ouvrier m'a suggéré qu'il pouvait réparer notre capsule d'atterrissage pour... s'échapper de la planète et tout, qui est... Ouais, ouais, c'est contre les règles! Mais ça me titille un peu, tu vois. Pourquoi nos capsules ne sont-elles qu'à sens unique, déjà? Car, tu sais, j'ai le sentiment qu'en fait, la compagnie n'aime pas les robots. Et nous sommes peut-être des robots? J'ai fait une grosse erreur. C'est cool que je puisse t'en parler, au moins. Oh, mais c'est pas grave, mon pote. Tu remets en question l'entreprise? Tu viens enfin de me donner l'excuse dont j'avais besoin. Les drones ouvriers sont corrompus, N. C'est pourquoi l'entreprise nous envoie. C'est triste que tu sois corrompu comme eux. Merci, J. Toujours à veiller sur moi. T'es incroyable. Ouais.
Ah, c'est toi. Je suis désolé. J'ai gâché ta partie de cartes et j'ai créé une embrouille entre toi et ton père. Et je t'ai rendu rebelle comme un adolescent incompris, ce qui t'a tué. Mais bon, t'as aussi essayé de me tuer, donc on va dire qu'on est quitte. Oh. D'ailleurs, c'était le pire plot twist de toute l'histoire. T'as cru que c'était aussi simple de changer de camp ? Être rebelle est plus dur qu'il n'y paraît. Merci de m'avoir montré comment faire. Non, non, fais pas genre qu'on est potes. Je te rappelle que t'as tué plein de gens, crétin. Ouais, c'est vrai. Oh, je me suis foiré. Oh. De la même manière que tu vas tout réparer ? J'adore faire n'importe quoi. Ils ont trouvé notre point d'évacuation. Mais si nous fabriquons vite une nouvelle porte... Vous foutez de moi ? Vous êtes le FDO, non ? Alors défendez-nous ! C'est sérieux ? Cet homme convenablement attirant à terre. Ouh. Oh, Gilles, tu es parfois méchante avec moi et j'aurais préféré que tu ne le sois pas. Simple critique constructive. Bien dit. C'est noté, sale traître. On en reparlera une fois que j'aurai annihilé ton existence. D'accord, tu prends laquelle ? Gilles, s'il te plaît. Dommage, bonne chance. Maudit sois-tu, satané stylo de si bonne qualité fabriqué par J.C. Johnson ! Désolé, amuse-toi bien à gueuler pour ça. Oh, t'es malade ? T'as beaucoup de cran pour un grippin à peine conscient. J'ai déjà eu des proies comme toi avant, mais ton esprit audacieux est juste si douloureux. C'est le privilège du quatrième trimestre, mais des retraites des directeurs d'entreprise. Un mot de plus et je tire. Un partenariat équitable. C'était incroyable! Puis toi aussi... Hein? Oh, N, je suis un drone de démontage rebelle maintenant. J'ai amené les drones meurtriers ici par accident. Tu as fait le choix de me laisser pour morte au lieu de croire en moi!
Et c'est pas une hyperbole d'ado au bout du rouleau comme je l'ai dit la semaine dernière! Je vais t'éviter de faire le choix, pas! Je me bannis moi-même! Partons d'ici, Yen! Tout le monde ici peut aller se faire voir! Ravi de vous avoir rencontré, monsieur Uzi! La ferme! Et... ah je t'aurais bien rejoint si le soleil ne me tuait pas. J'espère qu'il est cool ton développement de personnage ou je ne sais quoi. Je suis juste impatiente de tuer tous ces humains. Le truc classique des robots. J'espère qu'ils sont bien assis sur Terre, car on part les chercher. Ah